je suis extrêmement déçu et je suis vraiment stupéfait de l'obstination et de la persévérance sur ce dossier du Premier ministre. Le problème de ces projets, c'est qu'ils sont imposés. Ils sont faits de façon non démocratique, ils ne prennent absolument pas en compte l'utilité sociale, la réalité de la catastrophe écologique, et ils ne sont pas faits en concertation avec les habitants. Avec les habitants, avec les travailleurs, avec les paysans. Il est donc normal que, contre des projets aussi inutiles, qui sont là uniquement pour remplir les poches d'entreprises et de multinationales comme Vinci, il est normal que la résistance s'organise. Trop de bétonnage, trop de copinage entre M. Hérault, qui était l'ancien maire de Nantes et qui est maintenant au gouvernement et qui semble pousser fortement pour cette implantation qui est vraiment inutile.